Ok, ça c'est fait. Yo Petrayard, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Warzone. Aujourd'hui on va se retrouver pour une best class setup à la Oden, une arme qui est totalement sous-estimée, mais avec la classe que je vais vous proposer, vous allez faire de gros carnage, vous allez rendre des gens totalement fous. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de best class setup là-dessus sur YouTube en matière générale, et la classe que je vais vous présenter est vraiment ultra stylée. Elle peut tuer jusqu'à 2 balles, voire 3 balles si la personne est full armure dans la tête. Vous allez fumer des gens, de toute façon vous allez vous rendre compte lors de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Qu'est-ce que t'attends mon pote? Ici on est une grosse armée de tryhards et on attend que ça, de défoncer du monde, de claquer des nucléaires et de taper des plus de 20 kills en solo ou en escouade, mais à nous tout seuls bien évidemment. Et surtout n'hésite pas à lâcher ce putain gros pouce bleu, bordel de merde. 1200 likes en moins de 24 heures, c'est l'objectif, monte ta présence mon gars. Surtout pour un 20 kills en solo mon pote. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir et on se retrouve juste après pour la conception de la classe. Ok. Bon, du coup, hop. Je crois qu'on a quasiment tout. Il nous manque encore quelques petites plaques. Et on est good. Une, s'il vous plaît. Ah. Il y a du fight en bas. Let's go. Ok, bon, bah on a fait un double kill du coup. Ça commence plutôt assez bien. On a 21 500. Ah, on est traqué. Vu qu'il était ici, ça veut dire que la personne vient de là. Ok. Ça veut dire qu'en l'occurrence, je vais devoir vite prendre mes classes. Quand même balancer un drone. Un ennemi a atterri dans la zone. Ok. Oh non, il y a du people. Je suis de la chatte. Désolé gros, je te jure que je campais pas sur le chat. Vite. Le truc c'est que maintenant, ça va quand même me traquer. Ok, donc il y en a un qui est à notre distance. On va très vite se casser. Ok. C'est ok. Ok, let's go. Ouf. Ils étaient hard, hein, ces fights. Ils étaient super hard. Et j'essaie un peu de me concentrer. Ça serait pas un deuxième turn là qu'on vient de faire là? Je crois que ça fait déjà deux turns. Ok. Bon, du coup, on est déjà à 6 kills. De recréer.
Il est vraiment sérieux là? Il est vraiment sérieux lui? Il a failli me la mettre en plus hein. Ok, donc il est un peu plus loin, il est ici. C'est parti! Vas-y, viens, viens. Let's go. Ouf. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un du coup? Il semblerait qu'il n'y ait plus personne pour le moment. Par contre, on n'a pas de drone. Et ça, c'est fort problématique. Non, pas pour le moment. Il n'y a absolument personne. Let's go. Non, c'est pas un drone, dommage. Bon. C'est quoi? Allez! Et en vrai, il avait pas mal de thunes, hein? On va prendre un drone. Oh, il y a encore du monde sur Quarry! Bon, il semblerait qu'il y ait encore beaucoup de monde sur Quarry. Aïe 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 aïe. What the fuck? Et je sais pas comment il a fait, mais lui il m'a pas vu. Hein. Il y en a un ici, mon gars. Il est en train de tempo. Comme si c'était sa vie qui était en jeu. C'est sa dernière game. Après, ça sera fini. Ok, il y a du monde de l'autre côté. Mission à pouvoir d'arrêt. Ça, c'est good. Je prends direct. Juste pour la Oden. Parce que là, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ok, il y a du monde de l'autre côté. Mission à pouvoir d'arrêt. Ça, c'est good. Je prends direct. Juste pour la Oden. Parce que là, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. La zone est un peu trop... trop grande. Incroyable. Il était vraiment en train de camper ici, lui. Au moins taper un plus de 20 kills là. Ah, ça se fight là-bas. Enfin, une bonne nouvelle. Alors, tu vas pas me dire que. Si, si. Mort. Let's go. Elle pardonne pas, vraiment. La Oden. C'est une classe incroyable. Ça ne pardonne pas. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il foutait. À être dans le corner. Ok, il est au top. Ouais, je sais où il est. Il est retourné à son petit spot là.
faire attention. Ok. Bon, au moins il m'a filé un peu de thunes. Mais c'est incroyable comment ça joue sale. Ils sont tous dans des corners différents. Allez, j'ai 15 secondes. Allez. On est en 15. 15 kills. Mec en voiture. Ok, ça c'est fini. Faut juste qu'on fasse gaffe maintenant où est-ce qu'on va. De partout. C'est le problème. C'est moi, j'ai entendu silencieux là-bas. Allez, allez, 17 kills. Ok, il y en a encore. Il y en a encore quelques-uns à tuer. Et on est good. C'est le moment. Il est où? Ok. 18 kills. Il y a encore les bâtiments en plus. Et il y en a encore un là-dedans, sûr et certain. Non, 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 fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Putain, j'ai plus de plaques. Je vais devoir faire très attention. Il me faut un kill. Au moins pour les 20. Je sais pas du tout où est parti l'autre. Mais c'est qu'il a son top l'autre. Ok, let's go. Au moins, on a le 20 kills. Ok.
Il me faut des plaques. Allez, 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 allez. Non, fais vite, fais vite, fais vite. Non ! Mais non, mais non, mais non ! Dommage. Dommage, dommage. Ah, il m'a tué à combien de kills ? Au moins qu'on puisse voir. Que je puisse au moins voir ça. Oh non, il a eu 4 kills. Non, j'ai le seum. J'ai le seum, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, c'était une petite best class setup à la Odin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, maintenant on va parler de la conception de la classe. Du coup, nous voici pour la conception de l'arme de la Odin. Comme j'ai dit, j'expliquerai un peu plus tard certaines choses et c'est l'heure d'expliquer certains éléments importants. Il faut savoir que au niveau de la Odin, elle fait énormément de dégâts à partir de mi-distance et vraiment corps à corps, elle est très intéressante. À partir des longs shots, ça risque d'être extrêmement compliqué en termes de dégâts parce que l'aggro déjà va vous littéralement vous exploser, ça faut le savoir, mais à moyenne distance, la Odin, aïe aïe aïe, il faut faire attention. Et deuxième point important, c'est une des pires armes en termes de maniabilité avec la AK-47. Ça, personne ne peut le nier, c'est une arme très lente déjà à viser, il faut déjà savoir. Donc je vais plus me baser sur le fait que je pars du principe qu'elle est tellement lente que je vais faire de sorte qu'elle fasse énormément de dégâts justement pour punir mon adversaire et lui balancer des gros coups de joystick et le faire extrêmement mal. Bon, déjà au niveau de la bouche, silencieux monolithique, vous avez l'habitude à force, c'est toujours, on va dire, l'accessoire principal avec frein de bouche pour certaines armes. Mais bon, silencieux monolithique, on va dire que là-dessus, on est tous d'accord. Niveau du canon, on va prendre le premier canon, qui est pour moi le meilleur. On va perdre un peu de mobilité, mais de nouveau, je pars du principe que c'est une des armes les plus embêtantes en termes de maniabilité et de mobilité. Donc, je pars du principe que je m'en fous un peu, autant se baser là-dessus. En termes de poignée, donc la poignée arrière pointillée, pour essayer de compenser un peu les pertes de visée avec les accessoires. Lunettes, alors on va essayer de nouveau de faire la même chose. Mini, viseur, réflexe, GI. Et là-dessus c'est good. Et pour terminer, on a besoin vraiment d'une poignée. Donc soit la poignée avant de mercenaire. Moi personnellement je préfère pour les précisions de tir au jugé, étant donné que si je suis au corps à corps, il faut au moins que j'essaye de gagner mon fight. Même si c'est une SMG et ça risque d'être très compliqué. Donc je propose bien évidemment cela. Ou sinon il y a la poignée avant de tireur d'élite pour contrôle du recul, la stabilité de tir. C'est comme vous voulez, soit l'un soit l'autre. Personnellement je joue avec la poignée avant de mercenaire. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la Odin vous aura plus sur Warzone et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.